Stromae. Sa femme dévoile un rare cliché de leur fils, il a bien grandi. Ce vendredi 13 septembre, l'épouse de Stromae, Coralie Barbier, a posté sur Instagram des photos de son été. Sur l'une d'elles, on découvre leur fils qui fêtera prochainement ses 6 ans. Un petit garçon déjà très grand. Bientôt 6 ans et déjà très très grand. C'est ainsi qu'un abonné de Coralie Barbier a réagi à une photo que l'épouse de Stromae a postée sur Instagram ce vendredi 13 septembre. Un cliché sur lequel on voit leur fils de dos en short orange et en t-shirt foncé dans les escaliers d'une ruelle charmante, juste à côté d'un restaurant appelé la Dolce Vita. La femme du chanteur belge avait déjà posté une photo de leur garçon en avril dernier. Depuis, il a bien grandi. Le petit est déjà aussi grand que moi, a réagi avec humour un internaute. Incroyable, un mini Paul, le vrai prénom de Stromae, NDLR, a écrit un autre. Stromae et son épouse Coralie ne montrent pas beaucoup leur fils et n'en parlent beaucoup non plus. En juin 2023, la maman avait évoqué l'éducation de son garçon en réagissant body shaming dont Lena Situation avait été victime lors du Festival de Cannes. Avec Paul, on veut transmettre des valeurs de respect à notre fils. On ne voudrait pas qu'Will devienne un harceleur sur les réseaux sociaux. Et tant que maman donne petit garçon, j'estime avoir une responsabilité pour que mon fils soit féministe et considère la femme à sa juste valeur, avait expliqué la mère de famille. Cette tournée que Stromae a faite avec son fils. Stromae, qui a récemment mis à la disposition de ses fans la vidéo de son concert Multitude après l'annulation de plusieurs représentations pour raisons de santé, veut passer le plus de temps possible avec son fils. À tel point qu'Will l'a emporté avec lui pour le début de cette tournée inachevée. On est déjà resté 3 mois aux États-Unis, avant le festival de Coachella. C'était la première fois que je partais aussi longtemps loin de chez moi. Mais j'avais ma femme et mon fils, mon frère était aussi avec sa femme et sa fille. Quand c'est faisable, j'emmène mon fils. Mais il doit aussi avoir son équilibre, à Bruxelles, avait confié à l'interprète de Papouté dans une interview accordée aux Parisiens en 2022. Les mots « donne papa poule » très protecteurs.